Nous sommes en 1922, après Jésus-Christ. Le 26 avril, exactement à midi moins le quart, un certain Paul Bury voit le jour à la Louvière. Mais si, vous le connaissez, la Louvière, ah ben c'est lui. New York, c'est lui. Paris, c'est encore lui. Tout ça, c'est Paul Bury. Mais comment en est-il arrivé là? Catastrophe. Paul Bury à l'école, ça ne fonctionne pas. Non. Il espère trouver ses marques à l'Académie des Beaux-Arts de Mons, mais là non plus, ça ne lui plaît pas trop. En plus de tout cela, Papa Bury quitte le foyer, obligeant le jeune Paul, dès l'âge de 16 ans, à aller travailler à l'usine pour subvenir aux besoins de la famille. Mais 16 ans, c'est aussi l'âge de la rencontre qui change tout. Dans un bar étudiant, un petit bar de Bruxelles qui n'existe plus aujourd'hui, le Louviérois rencontre un autre Louviérois, Achille Chaveille, le plus grand poète de la rue Ferrère. Oh, que c'est petit. Achille Chaveille étonne et stimule Paul Bury. Un tout nouveau monde s'ouvre à lui, l'univers du surréalisme. Paul Bury se rend alors régulièrement à Bruxelles et à bicyclette en plus pour aller visiter les expositions de René Magritte. Fasciné par le travail du maître à la pipe, Paul Bury travaille dans le même style et envoie des petites photos de ses tableaux à René Magritte. Magritte surnommera Bury le petit Bury en référence aux petites photos de ses tableaux. Le jour où les deux hommes se rencontrent, Magritte est surpris de voir un Bury bien plus grand que lui. Oh, checkez bien comment il est. Les parents de Paul Bury voulaient qu'il devienne pharmacien. Mais ça, comme il le dirait lui-même, on s'en tape comme de l'an 40.